Cher peuple, bonjour. Aujourd'hui, 1er juin 2022, je viens vous parler de l'école primaire de La Poste, une structure scolaire située en plein cœur de Brazzaville, où est passé plusieurs de nos autorités et cadres administratifs. Selon mes investigations, cette structure scolaire vient d'être vendue à l'hôtel GHS de la Coupole, une structure commerciale gérée par des sujets libanais. Encore des Libanais. Alors, le peuple se demande, ce peuple s'interroge et veut savoir qui a vendu l'école primaire de La Poste de Brazzaville et à qui appartient l'hôtel GHS de la Coupole. À la première question, j'exige à M. Denis Sassou Nguesso, celui que nous avons réélu président de la République en 2021 selon la Cour constitutionnelle, qui est en même temps le premier magistrat et premier officier de renseignement, de nous donner une réponse nette et claire. Monsieur le président de la République, qui a vendu l'école primaire de La Poste de Brazzaville? À la deuxième question, je vous réponds que l'hôtel GHS de la Coupole appartient à Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, l'actuel ministre de la Coopération internationale. Des pauvres Libanais ne sont que des figurants. À ce dernier, je dis qu'il n'a pas le droit. Monsieur le ministre Denis Christel, vous n'avez pas le droit d'acheter l'école primaire de La Poste car c'est un bien public, un bien de l'État. Et je dis que nous finirons par la récupérer. L'école primaire de La Poste de Brazzaville sera récupérée des mains de celui qui l'a achetée. Merci beaucoup. C'est de la part de votre humble serviteur, Amédée de Lolouemba, depuis Brazzaville. Je vous remercie.